Chapitre 70. Non serviam suite. Du haut des hiérarchies supérieures, partit donc le cri de révolte de Lucifer. « Je ne servirai pas !» Les légions d'anges s'unirent à lui et reprirent à leur compte le cri séditieux. « Non serviam !» Nous ne servirons pas Dieu. Nous ne servirons pas un homme, fut-il Dieu. Séduits par cette maxime, les esprits se sentaient libres, indépendants, rebelles. Ils prétendirent eux aussi rejeter tout ce qui leur avait été donné, déclarant avec Lucifer qu'ils ne serviraient pas, qu'ils étaient comme Dieu. L'archange Saint-Michel se dressa alors. À la tête d'une multitude d'anges, il s'interposa et les rappela à la réalité en déclarant « Qui est comme Dieu ? Michael. » Et le cri répété par tous ses compagnons terrassa les rebelles terrifiés par ce rappel à la vérité. Michael devient alors le nom propre de l'archange. Lucifer, qui s'était cru capable de fédérer tous les anges en les entraînant dans sa rébellion, s'imaginait déjà tel le dieu incontesté du monde angélique. À la protestation de Saint Michel, qui lui rappela l'évidence que personne n'est aussi aimable, grand et saint que Dieu, Lucifer fut abattu. Il ne put supporter la lumière vengeresse et véridique qui rayonnait du sein des légions fidèles, outragé par la prévarication des anges apostats. Il tomba, renversé et comme anéanti par cette lumière de vérité. Saint Michel clama alors « Que Dieu fasse sentir sur toi sa puissance !» Et ni lui, ni les anges rebelles n'eurent plus de place au ciel. Dieu intervint et précipita les anges apostats dans les ténèbres en les soumettant à celui qu'ils avaient choisi pour chef, ce séraphin rebelle qui était devenu le plus mauvais d'entre eux. Le prophète Isaïe témoigne de cette chute dans l'allusion suivante. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer ? Tu as dit dans ton cœur, « Je monterai jusqu'aux cieux et élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je veux être l'égal du Très-Haut et tu es tombé dans les abîmes. » Ce combat fut prompt comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, dit notre Seigneur. Il n'y eut point de tiédeur, ni d'hésitation dans le cri de soumission à Dieu des bons anges. Ils y engagèrent tout leur être, qui s'en trouva irrévocablement fixé au bien et à Dieu. Quant aux mauvais anges, ils jetèrent en même temps que leur cri de révolte, toute leur belle nature dévoyée à jamais. Ils furent alors enfermés dans le mal, qu'ils avaient librement choisi, frappés d'aveuglement, privés de la grâce, ils ne pourraient plus jamais comprendre les desseins de Dieu. L'orgueil fut le principe de la perversion de Lucifer et des anges apostats. L'humilité fut le fondement de l'exaltation de Saint Michel et des bons anges. Un choix unique scella l'éternité des anges et détermina l'existence des deux cités qui s'affrontent depuis, dont Saint Augustin nous dit, rappelons-le, deux amours ont fait les deux cités. L'une, Jérusalem, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. L'autre, Babylone, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Les anges fidèles avaient aimé Dieu jusqu'à se mépriser eux-mêmes. Les anges rebelles s'étaient aimés eux-mêmes jusqu'à mépriser Dieu. Pour imaginer les conséquences de ce choix, Don Bernard-Marie Marechaux cite encore Saint Augustin disant « Les saints anges, se tournant vers le Verbe, devinrent lumière. Les mauvais anges, demeurant en eux-mêmes, devinrent nuit. Et la lumière et les ténèbres furent séparées, car elles ne peuvent subsister ensemble. La lumière spirituelle fut admise au foyer de la pure lumière qui est Dieu, c'est-à-dire que les bons anges montèrent au ciel supérieur, où ils voient Dieu désormais. Les ténèbres spirituelles, en revanche, furent refoulées dans les régions inférieures, c'est-à-dire les abîmes de l'enfer. Un tiers des anges furent maudits en un instant, comme l'enseigne Saint Jean. Tout à coup, on vit un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes.
et sur ses têtes sept diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jeta sur la terre. L'irrévocabilité et la promptitude du châtiment divin s'expliquent par la nature angélique des condamnés. Leur intelligence va d'un seul coup au bout des choses et leur volonté est droite. Ils s'attachent à un but et font preuve d'une indomptable énergie et une irrévocable ténacité. Cette pénétration intellectuelle, combinée à cette puissance de volonté, a scellé leur éternité en un seul acte. Et depuis que la sentence est tombée, Lucifer est devenu Satan, ce qui veut dire ennemi. Il est notre pire ennemi. Mais il est toujours capable, par de puissants artifices, d'apparaître sous son habit de lumière pour séduire les hommes qu'il hait, les considérant comme des créatures inférieures, cause de sa chute. De plus, il sait que tout homme sauvé recevra la place d'un des anges déchus. Saint Thomas d'Aquin déclare à ce propos que la jalousie de voir une créature de limon prendre sa place fait plus souffrir le démon que les flammes de l'enfer. C'est pourquoi il a demandé la permission divine de tenter les chrétiens. Satan a demandé à vous passer au crible comme le blé. Dieu la lui a accordée. Pour que ses enfants soient élevés par les épreuves, et Saint Basile déclare qu'impuissant contre Dieu, le démon retourne toute sa rage contre les hommes créés à l'image de Dieu. Ainsi, bien qu'ils soient relégués en enfer, les démons qui ont le don d'ubiquité parcourent le monde pour perdre les hommes. Cette prospection dans notre monde n'est pas sans conséquences, car l'enfer est non seulement un lieu, mais aussi un état, que les démons emportent partout avec eux, car la malédiction divine pèse constamment sur eux. On trouve témoignage de cette errance sur le globe dans la supplique que sa sainteté Léon XIII avait demandé aux prêtres d'adresser à Saint Michel Archange à la suite des messes basses. En effet, il y est écrit « Et vous, ô prince de la milice céleste, par la vertu divine, refoulez en enfer Satan et les autres esprits mauvais, qui errent dans le monde pour la perte des âmes. » On oublie trop aujourd'hui que l'Église, particulièrement par l'action du clergé, passe son temps à chasser les démons et à repousser leur action maléfique. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder un prêtre célébrant la messe. Il purifie tous les objets qu'il utilise pour le saint sacrifice. Et l'une des fonctions du bénédicité que les chrétiens récitent avant de manger est aussi d'éloigner les démons. C'est pour cette raison que les efforts de destruction du démon vont surtout se concentrer sur l'Église du Christ, dont il ne va cesser de persécuter les membres. Pour comprendre pleinement cette vérité, il faut bien comprendre que l'Église n'est pas seulement une institution de clercs, c'est un corps constitué de tous ses membres et que ses membres forment le corps mystique du Christ, autre nom de l'Église. Or, le but de Satan, celui qu'il s'est déterminé à l'instant même de sa révolte, est de se substituer au Christ, d'être l'Antichrist. Toute son énergie, toute sa volonté, toute son intelligence, sa science et sa ténacité sont tournées vers ce but. Il veut arracher toutes les âmes rachetées au prix du sang et des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ pour les plonger en enfer avec lui. Il va chercher pour cela à détruire l'Église, pour lui substituer la contre-Église, qui n'aura pour but que la damnation du plus grand nombre. Il est bon de méditer sur la punition vengeresse, irrévocable et prompte des anges apostats. Elle doit nous faire frémir, car elle nous rappelle que Dieu ne doit rien aux pécheurs, sinon la justice. Et le démon va tout faire pour que cette justice s'exerce contre nous. Heureusement, la pénitence conduit au salut. Mais Dieu n'a aucune obligation de nous donner le temps de la pénitence et du pardon. Qui connaît l'heure de sa mort? Qui sait quand viendront le juge céleste et le procureur infernal? Le démon sera là pour nous emporter. Si de notre vivant, nous avons écouté ses mauvais conseils en présumant du temps qu'il nous restait et en nous moquant de la patience divine et en vivant
comme si Dieu nous devait quelque chose d'aussi saint que le salut. Il est écrit que toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité. La vérité de Dieu est souvent assimilée à sa justice, car elle est rigoureuse, exacte, en un mot, vraie. Elle demande à être satisfaite avec rigueur, et elle rend à chacun ce qui lui est dû. Toute bonne action est récompensée, tout péché est puni. Dans la Bible, les mots vérité et justice sont même souvent employés l'un pour l'autre. Heureusement pour nous, si la justice de Dieu définit la règle, sa miséricorde règne sur l'exception. Et comme un roi terrestre peut gracier par exemple un voleur, le roi de l'univers peut à plus forte raison faire preuve de miséricorde. Il manifeste des préférences pour certaines de ses créatures, sans pour autant porter aucun préjudice aux autres. C'est la jalousie des hommes qui leur fait concevoir l'idée d'une injustice là où Dieu manifeste sa miséricorde, comme le montre la parabole des ouvriers de la 11e heure. La miséricorde divine relève de sa bonté, de sa bénignité et de sa condescendance.